Matelot, puisqu'il fait bon vent, poussons ce soir la chansonnette. Matelot, puisqu'il fait bon vent, montons tous chanter sur l'avant. Et le chant du gaillard d'avant montera jusqu'à la dunette. Et le chant du gaillard d'avant égayera le bâtiment. Matelot, puisqu'il fait bon vent, poussons ce soir la chansonnette. Matelot, puisqu'il fait bon vent, montons tous chanter sur l'avant. Et le chant du gaillard d'avant montera jusqu'à la dunette. Et le chant du gaillard d'avant égayera le bâtiment. C'est très joli, mais c'est pas fini, maintenant c'est l'impro. Ah non, je peux pas, mais j'ai une autre chanson si vous voulez. Tu peux parler aussi. Alors non, j'ai une autre chanson. Rose, 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 te verrai-je jamais rouge? Oui, si tu sais attendre, mon bien-aimé. Te verrai-je jamais rouge? Oui, si tu sais attendre, mon bien-aimé. Je passe le micro. Bravo. On a dit qu'on filmait pas les visages. Après, moi j'en connais plein des canons, mais c'est des canons quoi, faudrait les apprendre. Mais vous pouvez improviser, hein. Et faire, et parler, improviser, être un peu foufou, rigoler. Mathéo, arrête de me filmer, s'il te plaît. Ça, c'est l'énergie Vecna, t'es, hein. C'est pour l'archipel. Ouais. Alors moi j'ai une question pour Myriam. Où est-ce que tu as filmé ces images? En cabine, à Itlassen, dans les montagnes de mon père. Est-ce que c'est des gens que tu connais ou tu les as rencontrés? Alors il y en a que je connais, il y en a que j'ai rencontrés. Il faut dire que ça m'a aidé, que c'était le village de mon père. Est-ce que c'est un endroit où tu as vécu aussi ou... Non, pas du tout. Non, je n'ai pas vécu là-bas, moi je suis une Parisienne. Donc tu y es allée pour faire le film. Est-ce que c'est un endroit aussi où tu es allée en vacances ou un petit peu... Alors je suis allée quand j'avais 8 ans et pour connaître ma grand-mère et mes cousins et cousines. Et puis après... j'ai pas pu retourner jusqu'à que j'ai 30 et quelques parce que mon père voulait pas que j'y aille parce qu'il y avait plein de trucs islamiques, il y avait plein de choses politiques très très dures en Algérie dans les années 90 et 2000, donc je suis allée par moi-même plus tard. Et en fait, j'ai donné un atelier de film, j'ai donné des ateliers de film là-bas, pour les jeunes là-bas. Et après, une fois que les gens du village ils se sont habitués à moi, je me suis permise de faire un film. Enfin, une fois qu'ils m'ont un peu adopté, quoi, ils me savent qui je suis. Et puis voilà, quoi. Après, il y avait ma famille là-bas, mes cousins, mes cousines, il y avait mon futur mari là-bas. Donc ça aide quoi, à filmer dans leur univers. Mais les gens là par exemple qui font la terre là avec les animaux là, c'est je connaissais pas ce monsieur, mais on m'a dit ah il faut que tu filmes, c'est spécial, c'est vrai, hein, c'est quelque chose qu'on voit très rarement.
c'est rare, mais c'est parce que dans les montagnes là-bas, c'est très difficile d'avoir une machine qui va. Mais il y a beaucoup plus, et là, ça s'est arrêté, malheureusement. Oui, Maline. Mais il n'a pas entendu chanter. Ah, c'est Maline, derrière. Tu as triché. Tu as dit qu'on pouvait parler. Oui, oui, mais moi, il ne fallait pas que je parle. Oui, mais tu as répondu à mes questions. J'aurais pas dû répondre. C'est studio, non? Ah oui, c'est celui-là. Ce qui est intéressant, c'est que tu as les mêmes motifs. Alors, il va falloir. Que tu chantes là sur celui-là. Non, moi sinon, on ne va pas voir la fin du ce film. Mais je peux continuer à parler. J'ai bien plein sûr. Tu peux dire ce que tu veux. Arrête de me filmer, Matteo. Là, c'est Michelangelo Antonioni. Tu dois pas c'est filmer un... Ça s'arrête jamais. Plusieurs minutes après la prise. Arrête de chanter une minute, de parler. C'est toute une cosmogonie très très importante qui se retrouve au niveau matériel. En fait, ça s'arrête deux secondes après. À quelqu'un Evelyne. Moi je sais pas trop quoi faire chanter. Oui, ben, j'aurais plus ça. Ça infuse. Mais c'est dur là-dessus parce que on est quand même guidé par théoriquement ce serait bien qu'on soit guidé par ce qu'on voit quoi. Ouais, ce qu'on voit. On peut pas être complètement libre. Ah, vous êtes pas content. Alors c'est comme il y a comme des échos, non? Oui, c'est quand tu chantes, c'est un écho. Okay. C'est un peu dommage. Si alors moi je chante pas trop, mais je regarde quoi. Tu peux chanter avec la musique, la famille. Ah ouais, mais j'ai plus envie de sortir les mots que de chanter. Tu vois? Alors ben, c'est. Et en fait j'aime beaucoup les doigts sur les vases. Et comment tout à l'heure elle était avec le pinceau quoi. Et comment à la fois son geste était sûr et simple, quoi. Et ça me rappelait, moi qui ai beaucoup travaillé sur les vases hein, antiques, ça me rappelait les débuts des vases grecs, hein, où on avait comme ça des formes très, très géométriques. Et je suis sûre que c'est lié à des rituels très précis, quoi, de ces femmes. Et ça serait bon que tu nous en parles, quoi. Ah ouais, bien sûr.
Et je suppose que la peinture, c'est des choses qu'elles font avec de la terre, non? Tout à fait. C'est des pierres qu'elles trouvent et elles en font. Elles font des poudres. Hein. Et le geste est tellement sûr. Rouge et la pierre noire. Donc c'est ça qui me touche en fait. Et c'est vrai que c'est une tradition. J'ai vu récemment des. Non mais il faut que tu continues de chanter. Alors je continue. Ça c'est les saisons. Ouais. Donc il y a tous les formes là que vous voyez, ça a des significations. Le tissage. Hein. C'est l'araignée. Hein. C'est le tissage de l'araignée. Ah. C'est très ancien. On le retrouve chez les peuples méditerranéens, les Grecs, mais les aussi Crétois. Chez les Turcs, à Luche. Luche, c'est entre le Kurdistan et. Et on le retrouve sur leurs vêtements aussi. Parce que je l'ai vu dans un musée à Luche. J'ai vu des trucs exactement comme ça. Et en fait, j'ai vu un truc comme ça aussi chinois au Louvre. Okay. Néolithique. Et c'est des vases qu'on utilise quoi pour boire, pour mettre du blé dedans, pour mettre de la le vin peut-être, du vin, des corps ça aussi pour mettre dedans le lait. Les céréales, les choses de la vie quotidienne sèches, parce qu'ils séchaient beaucoup les figues, c'était beaucoup d'énergie. Et pourquoi tu utilises le négatif par moment? C'est pour avoir un effet de perception différente quand la personne chante. Ça éveille l'imagination normalement. Je chante avec ma voix qui parle. Tu sais, la parole, c'est aussi le chant. Quand tu chantes, tu vas toucher une partie de ton cerveau, en fait. Mais je chante pas trop sur ordre. Hein? Je chante pas trop sur ordre. Ah oui, bien sûr. Ouais. Oui. Et on a envie de partager, quoi, avec ces femmes. Ça, c'est le serpent. Ça? Le serpent qui pour eux représente le renouvellement de la vie, la ressuscitation. Ça peut aussi représenter de l'eau. Allez Mathéo, tu vas nous chanter quelque chose si tu as envie ou tu vas continuer à parler. Mathéo, il chante. C'est un échange, regarde.